Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Mon nom est Séphora et je suis heureuse de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Savez-vous que nous avons une plateforme virtuelle où vous pouvez suivre la réunion, discuter avec des pasteurs et poser vos questions? C'est à cette adresse, le live.nouvellevie.com, que tout se passe. Connectez-vous dès maintenant. La semaine dernière, on a eu la joie de recevoir le pasteur David Potier qui nous a parlé de la liberté. Si vous voulez réécouter le message ou le partager autour de vous, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, c'est Pasteur Claude qui nous apporte un message « Pourquoi croire à l'Église selon le cœur de Dieu ?» Sans plus tarder, nous accueillons l'équipe Envy Worship qui va nous emmener dans la présence de Dieu. Je vous invite à prendre toute votre liberté et à passer une excellente réunion. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Aujourd'hui, on veut parler à notre âme. Lève-toi, mon âme, et n'oublie pas que si tu es là, c'est parce que Christ t'a sauvé. On va le chanter ensemble. Lève-toi, mon âme. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi tout mon péché. Jésus est mon berger.
sang de Christ a tout. Jamais exalté, et je loue.
Seigneur, venons contempler. Venons contempler, venons à ses pieds. Oh Jésus-Christ, et Seigneur, que son église le chante. Venons, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ. Seigneur, pour ta présence. Et Père, en ce moment, on veut te prier particulièrement, Seigneur, pour les familles, Seigneur, celles qui sont en difficulté en ce moment, dans des temps de confusion, dans des temps de tension. Seigneur Jésus, pose ta main. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu veux protéger, Seigneur, la famille, Seigneur, et tu veux relever ceux qui sont affaiblis, Seigneur, ceux qui sont brisés par les circonstances. Je te prie, Seigneur Jésus, de mettre ta main protectrice, Seigneur, sur chaque famille, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible qui recommence tout, Seigneur. Ta grâce recommence chaque jour. Je te prie, Seigneur, qu'une famille puisse saisir ça, Seigneur, encore aujourd'hui. On a prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe Worship. C'est tellement un privilège de pouvoir célébrer et louer Dieu en tout lieu, toutes les générations de l'Église, de pouvoir célébrer et chanter que Jésus-Christ est Seigneur. On est heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va passer un temps dans la présence de Dieu alors qu'on va écouter le message de Pasteur Claude dans quelques instants. Mais vous le savez, une nouvelle vie chez vous, ce n'est pas seulement le dimanche, mais chaque semaine, il y a du contenu nouveau mis en ligne. Alors allez regarder la programmation de cette semaine. Ça commence avec les cafés matinaux, avec Pasteur Claude, Chantal. Mercredi soir, une réunion de mi-semaine avec Pasteur Daniel Descari. Il y a du contenu pour les enfants, pour les ados. Il y a même les vendredis midi des Worship Live. Alors n'hésitez pas à aller regarder la programmation de cette semaine. Et si vous voulez revivre les temps de louange qu'on a vécu les dimanches, avoir des dévotionnels au niveau de la louange, de l'adoration, je vous invite à aller aimer la page Facebook et Instagram de NV Worship. C'est le département de l'Église Nouvelle Vie qui s'occupe de la louange et de l'adoration. Et ils ont des pages Facebook et Instagram où ils postent du contenu, où on met des dévotionnels, des chants de louange. Alors pour revivre vraiment des temps de louange dans votre semaine, allez aimer leur page et il y a des belles surprises qui s'en viennent. Les groupes Nouvelle Vie continuent plus que jamais cet automne virtuellement. Alors qu'il y a des nouveaux groupes qui ont commencé, il y a vraiment une communauté pour chacun d'entre nous. Si vous voulez être participant ou même animateur, on vous encourage à aller sur le site de l'église nouvellevie.com pour pouvoir vous inscrire. On a tous besoin d'amitié chrétienne pour approfondir nos connaissances sur Dieu. Une équipe de bénévoles et de leaders font plusieurs milliers d'appels par mois pour rejoindre des chrétiens de l'Église Nouvelle Vie, prendre de leurs nouvelles, les encourager et bien sûr prier avec eux. Alors si vous êtes membre de l'Église Nouvelle Vie et que vous aimeriez rejoindre cette équipe, écrivez à téléphoniste avec un S à commercialnouvellevie.com. Téléphoniste à commercialnouvellevie.com. Vous pouvez être la voix d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. Dès dimanche prochain, on commence une toute nouvelle série de messages avec Pasteur Claude qui va s'appeler « Transformer ». Nous avons tous besoin continuellement d'être transformés par Dieu pour pouvoir avancer dans son plan. Et dans chaque sphère de nos vies, Dieu veut s'investir pour pouvoir nous amener plus proche de lui. Alors que ce soit dans nos pensées, nos relations amoureuses, nos émotions, notre foi, nous avons tous besoin de transformation. Alors restez connectés, ça commence dimanche prochain. Alors, comme à chaque semaine, on veut vous dire merci pour votre générosité, pour votre fidélité. À chaque fois que vous choisissez de donner à Dieu au travers de l'Église locale, vous nous permettez de propager ce message à des centaines et à des milliers de personnes. Et vous nous permettez également de commencer de nouveaux projets avec l'Église. Alors maintenant, vous pouvez nous supporter de manière simple et sécuritaire en textant le mot « don » au 438-500-3847. Vous pouvez également donner au travers du site don.nouvellevie.com ou en écrivant par courriel à don avec un S à commercialnouvellevie.com.
Alors merci parce qu'à chaque fois que vous donnez, vous aidez également l'Église à briller dans sa communauté locale, mais aussi à l'international. Une Église selon le cœur de Dieu est toujours une Église qui est investie et engagée envers les plus démunis. Je vous invite à aller voir la vidéo qui a été postée aujourd'hui sur les réseaux sociaux de l'Église, qui nous montre l'impact des missions Nouvelle Vie, l'impact que nous avons en tant qu'Église locale, en tant que communauté ici, vers les nations et vers ceux qui sont les plus démunis. Et justement, avant d'écouter le message de Pasteur Claude qui nous parle de pourquoi croire à l'Église selon le cœur de Dieu, on va regarder un court extrait de cette vidéo. Quand moi j'avais 15 ans, j'étais assise dans mon salon. Je venais juste de me convertir, j'avais donné ma vie à Christ et j'étais en train de lire un magazine. Et il parlait des enfants qui sont vendus comme esclaves sexuels, tout ça. Je me suis mis à pleurer puis à pleurer. Puis j'ai tombé à genoux, commencé à prier pour eux. Et Saint-Esprit est vraiment venu me parler à mon cœur, me dit un jour tu vas te lever, tu vas aller vers eux. Moi, je brûle de retourner, de trouver un trou, là où personne va, là où les enfants, les jeunes, les filles sont abandonnées, puis qu'il n'y a personne qui est venu leur dire, personne qui a pris le temps de s'arrêter pour leur dire, « Hey, sais-tu qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi, qui veut prendre soin de toi, qui veut t'aimer, qui t'a créé, puis qui a dit, « Wow, j'ai fait quelque chose de merveilleux. » Puis c'est ce que le Saint-Esprit me dit, « Continue, une personne à la fois. » Une personne à la fois. On change des vies tranquillement, une personne à la fois. Je suis toujours emballée par les projets que Dieu me met devant moi. Des fois, je suis un peu, je dis, ben là, comment je vais faire ça? Moi, je suis une petite blonde, puis c'est tout, là. Mais Dieu, je vous dis, Dieu se sert de n'importe qui si on est juste disposé à dire, me voici. Alors, Mission Nouvelle Vie, c'est ça. On est au service de Dieu pour son œuvre dans les pays les plus reculés, dans les endroits les plus désespérés. On va être là. Bienvenue ce matin à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à la famille Nouvelle Vie. Une église, mais sur plusieurs sites. Bienvenue à vous tous. Vous nous manquez. On a hâte d'être en personne ensemble, vous, de l'église Nouvelle Vie à Longueuil, à La Prairie, à Nueva Vida et aussi Drummondville, Sept-Îles maintenant, qui nous suivent. Bienvenue à tous et au reste de la famille élargie. Partout à travers le Québec et à travers la francophonie. Prenez le temps d'aller sur Nouvelle Vie, sur Live Nouvelle Vie, il y a quelqu'un qui est là. Allez sur le chat et donnez-nous votre nom. Dites-nous, je suis Patrice et j'écris de Bordeaux, je suis Yvan de Nice ou de Suisse, de Belgique. On a dans les dernières semaines d'Haïti, d'Afrique francophone, de partout à travers le Québec. Prenez le temps de nous dire votre nom et d'où vous nous écrivez. D'où vous suivez ce message ce matin. Et si vous avez une requête, d'inclure votre requête de prière. Et s'il y a simplement votre nom et l'endroit d'où vous nous écrivez à la fin, il y a toute une équipe de prière qui va prier la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Et prenez le temps aussi, non seulement d'être béni par ce message, mais dès maintenant, de le partager avec quelqu'un. Je vais lire dans un instant un témoignage de quelqu'un de Nouvelle Vie, Longueuil, qui partage comme jamais ses messages et à sa famille, aux gens autour d'elle, ses confrères de travail, ses collègues de travail, et Dieu touche les cœurs. Alors, partagez, soyez audacieux, partagez ce message ce matin. Nous arrivons au dernier message de la série « Pourquoi croire » avec un titre « Pourquoi croire à l'Église selon son cœur ». Et parmi toutes les questions que je me fais poser après 6 mois et demi de pandémie, de la COVID-19, il y a plusieurs gens qui se posent littéralement la question, Pasteur Claude, est-ce que tu crois que l'Église va survivre? Est-ce que tu crois encore à l'Église? Je réponds toujours la même chose. Ma réponse, c'est il y a une Église chrétienne à laquelle je ne crois pas. Il y a une Église à laquelle je ne crois pas parce que Dieu n'y croit pas.
mais je crois à l'Église selon son cœur. Vous dites, Pasteur Claude, c'est quoi la différence? Oh, il y en a beaucoup, il y a plusieurs différences. Il y a une Église qui existe à laquelle je ne crois pas avant la pandémie, puis je n'y crois pas pendant la pandémie. C'est une Église qui va s'éteindre, une Église qui est sclérosée. C'est l'Église que j'appellerais, il y a une Église à laquelle je ne crois pas, c'est l'Église que j'appellerais l'Église revient la semaine prochaine, ou l'Église on ne peut rien pour toi. Vous dites, c'est quoi ces deux phrases-là? Ces deux phrases-là sont reliées à deux expériences très marquantes dans ma vie, dans mes jeunes années de ministère, qui ont façonné l'Église à laquelle nous croyons maintenant, à laquelle nous donnons, à laquelle nous sommes consacrés, et l'Église qui, elle, l'Église selon son cœur, qui, elle, va transcender toutes les époques et va briller de plus en plus. Rien ne peut l'arrêter. C'est une Église pour aujourd'hui. Mais l'Église, lorsque je parle de l'Église, revient la semaine prochaine, ça me ramène à ma première été comme stagiaire, après avoir fait ma première année de collège biblique. Je suis venu faire un stagiaire dans une église, une plus petite église. Et alors que j'étais là avec tout mon bagage théologique et la prédication et avec toutes mes théories sur le pastorat, c'est une église qui n'avait pas beaucoup nécessairement de nouveaux en plein été. Et un dimanche, il est arrivé un jeune homme et sa blonde, à l'époque sa copine, il s'appelait Marcel. Juste à sa tenue, juste à son look, toute la petite congrégation qui était là réalisait qu'on avait deux nouveaux parmi nous. Et lorsque j'ai fait vers la fin du message, j'ai fait un appel au salut et à présentant la bonne nouvelle du pardon en Jésus. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est ici qui veut recevoir ce pardon, cette vie nouvelle, cette nouvelle vie en Christ. Et Marcel et sa copine ont levé la main, se sont avancés. J'ai prié avec eux. Après la réunion, il m'a fait une confession de foi extraordinaire, à quel point il avait compris tout ce que ce message signifiait pour lui. Il voulait voir sa vie changer et m'a raconté tout de suite, m'a ouvert son cœur. Vivait à Montréal, mais vivait une vie difficile. Et les deux avaient des problèmes d'addiction. Les deux étaient dépendants à la consommation, des gros problèmes de consommation. Me confesse que sa copine faisait de la prostitution pour avoir de l'argent pour leur habitude aux deux, vivaient presque en squattant dans un appartement qui était minable. J'étais secoué par ce qu'ils m'ont dit. J'ai prié avec eux. Et à ce moment-là, toute la semaine, j'ai prié pour eux. Et la semaine d'après, ils sont revenus. J'ai reprié encore. Et après quelques semaines, parce que c'est juste ça qu'on avait, on n'avait aucune ressource comme église. Alors, après quelques semaines, Marcel s'était approché de moi et m'avait dit, hey, Claude, je veux vraiment changer. C'est mal ce qu'on fait. On veut changer. Est-ce que tu peux m'aider? Et j'avais une partie de moi qui savait que ça n'avait pas de sens, mais la seule chose que je pouvais lui dire, c'est, ben oui, Marcel, reviens la semaine prochaine. Et dans les semaines qui ont suivi, parce que l'Église n'avait ni banque alimentaire, ni aide, ni service d'aucune sorte, alors la semaine d'après, il n'est pas revenu. L'autre semaine d'après, il n'est pas revenu. Et après quelques semaines, on a arrêté de voir Marcel et sa copine. Et j'ai même entendu un ancien de l'Église dire qu'il ne devait pas vraiment avoir fait une vraie expérience avec Dieu. Et moi, j'avais tout un tourment dans mon esprit. Et vers la fin de l'été, avant que je reparte pour aller continuer mes cours de théologie, j'ai reçu, quelqu'un m'a amené une lettre, m'a dit, ça, c'est une lettre de la part de Marcel. Marcel s'est enlevé la vie. Il s'est suicidé. Et il t'a laissé une lettre avec mon nom sur l'enveloppe. Je regardais la lettre, je me suis dit, ça va être une lettre de blâme, une lettre de reproche. Et j'ai eu peine à l'ouvrir. Et finalement, en tremblant un peu, j'ai ouvert la lettre pour m'apercevoir que Marcel me remerciait pour tout l'amour qu'on lui avait donné, tout ça. Mais il m'a dit, je suis revenu la semaine prochaine, mais je réalise aujourd'hui que vous ne pouvez rien faire de plus pour moi. Et à ce moment-là déjà, comme jeune stagiaire dans le pastorat, il y a quelque chose qui a monté dans mon esprit. Nous devons faire plus. Alors l'Église revient la semaine prochaine. Je n'y crois pas. Je crois à l'Église selon le cœur de Dieu. Il y a aussi l'Église, on ne peut rien pour vous, autre que de te réunir et de te dire des sermons et chanter des chansons. Je n'y crois pas non plus. Et cette Église-là, elle est reliée à une autre expérience. Dans mes premières années aussi, je gradue du collège biblique et je suis invité pour la première fois à adresser une pastorale d'une centaine de pasteurs de partout à travers le Québec qui étaient réunis au centre-ville de Montréal en plein hiver. Moins 30, un froid sibérien. Je sors de ma voiture en courant pour entrer dans l'église. J'appuie sur un bouton, sur une sonnette qui était là. C'est une porte qui est verrouillée.
Et il y a un monsieur, un intendant du bâtiment à l'intérieur de l'église qui me dit « Oui, j'ai dit, je suis ici pour la conférence de pasteurs. » D'accord, je descends. Il m'ouvre la porte et au-dessus de son épaule, je vois les pasteurs qui boivent leur café à l'arrière, les beignes et les cafés au chaud. Je veux juste entrer moi aussi. Je m'en vais adresser les pasteurs. Et en même temps que la porte s'ouvre, il y a une dame qui était cachée avec son petit garçon, Madame Latina, qui s'approche et elle avait, je me souviendrai toujours d'elle, des engelures sur le visage. Le visage avec des engelures, les deux, les marques, avait passé la nuit dehors et elle se met à nous crier, à nous dire qu'elle est à la rue avec son garçon, qu'elle a des petites bottes de pluie, un petit coupe-vent complètement inapproprié pour le froid et elle essaie d'entrer, aidez-moi, j'ai vu la croix, aidez-moi. Et le monsieur est de marbre, ce n'était pas notre église, c'était l'église où j'allais faire la conférence. Le monsieur est de marbre, l'intendant est de marbre, il la repousse, non madame, vous pouvez pas, il y a plein d'itinérants ici, il y a plein de sans-abri fixes, on ne peut pas commencer ça. Puis moi, je commençais à m'énerver envers lui. Faut lui ouvrir la porte, faut faire quelque chose. Et là, il y a toute cette discussion. Et à un moment donné, je pensais qu'elle avait gagné son cœur. Elle a fait son chemin dans son cœur de glace. Parce que le monsieur, après un certain temps, l'a regardé et a dit, écoutez, madame, écoutez-moi bien. Et là, j'ai vu l'espoir dans les yeux de la dame. Il lui a dit, écoutez, madame, on ne peut pas vous aider. On est une église. We can't help you. We're a church. Alors, il y a une église à laquelle je ne crois pas. Parce que Dieu n'y croit pas. C'est l'Église, reviens la semaine prochaine, et c'est l'Église, on ne peut pas t'aider d'aucune autre façon, aucune façon normale, tangible, humaine, parce que nous sommes l'Église. Non, nous sommes l'Église et nous pouvons t'aider. C'est la vision de l'Église selon le cœur de Dieu. Je crois plus que jamais à l'Église selon son cœur. Et l'Église selon son cœur, on l'a vu lors du dernier message, est une Église de justice, une Église de générosité qui refuse d'ignorer l'avertissement, qui refuse de l'aveuglement et l'avertissement de la justice. Et ça, c'est notre texte qu'on a débuté lors du dernier message. Si vous l'avez manqué, vous pouvez aller chercher dans Ésaïe chapitre 58, où il y a un aveuglement et un avertissement de justice, où le Seigneur dit à Ésaïe, crie à plein gosier, avertis mon peuple. Tous les jours, ils me cherchent comme s'ils avaient pratiqué la justice. Ce n'est pas un jeûne auquel je prends plaisir. Dans ce chapitre d'Ésaïe, le peuple et le prophète est appelé à crier à plein gosier comme une trompette parce qu'il y a un peuple qui est là, ils me cherchent, ils sont religieux, ils veulent que j'intervienne, ils veulent ma bénédiction, ils agissent comme s'ils avaient pratiqué la justice, comme s'ils avaient pratiqué mon œuvre de compassion et de justice, comme s'ils ne m'avaient pas abandonné. Ils veulent mon approche, ils veulent des exaucements, ils veulent ma présence, mais je ne prends aucun plaisir à leur jeûne et à leur prière. C'est le même questionnement. Il y avait un questionnement parmi le peuple qui est le même, un aveuglement, parce qu'ils avaient ignoré l'avertissement, qui est le même encore aujourd'hui des prophètes, des centenaires avant Jésus-Christ, aller jusqu'à nous aujourd'hui, plein d'églises qui ont les mêmes genres de questionnements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous répond pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de bénédiction? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de progrès? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de percée, d'âmes sauvées, d'avancement, de provision? L'Église et les croyants qui sont là et qui disent on offre tellement de choses à Dieu, on a tellement de réunions de prière, on a tellement de réunions de puissance. Cette pensée-là, cette espèce de débat-là où le peuple dit qu'est-ce qui se passe et où Dieu leur rappelle ses priorités et partout dans la Bible. Dans des textes comme Michée, chapitre 6 et les versets 6 et 7. Le peuple dit, avec quoi est-ce qu'on va se présenter devant l'Éternel pour venir avec humilité puis pour être exaucé, par exemple dans Ésaïe, pour être exaucé par lui? Est-ce qu'on va se présenter avec des sacrifices? Est-ce qu'il ne va-t-il pas recevoir les milliers de béliers, les torrents d'huile? C'était des décennies de sacrifices et de rituels religieux à l'intérieur. Et la réponse de Dieu est, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'Église et les croyants ne peuvent pas dicter à Dieu ce qui est important pour lui, ce qui est sa passion. Il est immuable dans sa nature et dans sa passion, dans ses priorités, dans ses principes, à ce qu'il s'attend de son peuple. Il va le dire à Michée, il le dit dans les prophètes, il le dit partout à travers la Bible, la Bible le dit en Jésus, il le dit à travers les épîtres du Nouveau Testament. On t'a fait connaître, ce ne sera pas compliqué, ce n'est pas compliqué, c'est limpide, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une option, ce n'est pas un élite, ce n'est pas négociable. Oh, si on regarde la suite de Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien.
c'est que ce que l'Éternel désire de toi. Je vous l'ai toujours dit, si vous voulez me représenter, si vous ne voulez pas me défigurer envers ceux que je veux atteindre, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel désire de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et la voix de l'Éternel crie dans la ville et la voix de l'Éternel crie encore aujourd'hui jusqu'à ton cœur, à toi. On t'a fait connaître ce que tu devrais être. Si tu veux me plaire, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement. Alors, c'est la première question de l'Esprit pour toi et pour moi aujourd'hui. Est-ce que je rencontre les désirs de Dieu? Est-ce que je suis activement, concrètement en train de pratiquer la justice, de soutenir, de donner, de me donner à l'œuvre de justice? Est-ce que je marche humblement devant Dieu en aimant la miséricorde? Ce que l'Éternel désire de toi, c'est que tu pratiques la justice. Pas seulement recevoir ta justice, ta justification salvatrice en Christ, mais non, pas seulement parler de justice, mais t'engager à pratiquer la justice spirituelle, la justice sociale, qui est tellement plus que la charité. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire de conviction, c'est une affaire de combat de conduite. C'est tellement pas, la justice de Dieu, c'est tellement pas de la pitié. Oh non, c'est une passion. C'est une poursuite, une personne à la fois, d'établir la justice de Dieu dans leur vie. C'est tellement plus que de remplir un mandat. C'est pas juste qu'il faut le faire, c'est tout, là, c'est légaliste. Non, 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 du bout des doigts, du bout des lèvres. Non, c'est une motivation profonde, c'est un mouvement du cœur. C'est plus que des actes de justice, c'est une attitude, c'est un amour de justice. Remarquez, il dit, c'est ce que Dieu désire de toi. On t'a fait connaître, c'est pas un secret, tu le sais maintenant. Ce que Dieu désire de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas légaliste. Non, c'est une joie. Alors, c'est une question importante. Est-ce que tu aimes donner? Est-ce que tu aimes aider? Est-ce que tu aimes ton Église? Est-ce que tu aimes lorsque tu vois ensemble ce que nous pouvons faire pour aider, pour rétablir la justice et l'équité, une personne à la fois? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est le connaître intimement, c'est être à l'affût de ce qui lui plaît, de ce qu'il désire, de ce qu'il aime. L'humilité de ne pas essayer de dicter à Dieu ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Il y a une arrogance, une dureté de cœur, un orgueil aux chrétiens qui refusent l'appel de justice et de générosité et qui veut dire à Dieu, c'est moi qui va te dicter à ce que tu aimes, c'est quelle sorte de foi je vais avoir et que tu vas devoir bénir. Non, voici ce que Dieu désire de toi, c'est que tu aimes la justice, que tu pratiques la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Lorsque vous avez les mots justice et miséricorde dans la pensée biblique, plus de 200 fois dans l'Ancien Testament, vous avez cette expression de justice. Ce ne sont pas des choses différentes, ce sont des composantes de la même justice. La miséricorde, c'est le mot hesed dans l'hébreu qui parle d'une grâce. La grâce, la compassion qui est inconditionnelle de Dieu. Et la justice, c'est le mishpat. C'est l'action. Alors, vous avez l'attitude, la motivation du cœur et vous avez l'action de justice. Ce n'est jamais juste des actes avec un cœur froid et ce n'est jamais non plus juste des bons sentiments sans action. Plus de 200 fois dans l'Ancien Testament, le mishpat de Dieu qui veut dans sa forme la plus simple dire « Travailler, œuvrer, combattre afin que chaque personne soit traitée de façon égale, de façon équitable. » La voix de l'Éternel crie encore aujourd'hui à la ville, à vous et à moi, et surtout à nous, à son peuple, à la défense de la veuve, de l'orphelin, de l'immigrant, du démuni, avec, dans les mots, le mishpat, le hesed et le mishpat, le cœur et l'action, s'incarne parfaitement dans notre Seigneur Jésus-Christ qui était ému de compassion. Le terme grec, splagizomé, je suis tellement à l'intérieur remué, intériorité, splagizomé, que je dois agir. Il y a un mouvement qui suit la motivation du cœur. Pourquoi croire
à l'Église selon son cœur, parce que l'Église selon son cœur est une Église de justice, une Église de générosité, une Église d'engagement spirituel et social, une Église de, parce que l'Église de justice, l'Église selon son cœur, elle est magnifique. Elle est attirante, elle est pertinente, elle n'est jamais démodée. Elle est toujours une église pour aujourd'hui. Parce que l'église, selon son cœur, l'église de justice, est ce que notre monde a le plus besoin en ce moment, en 2020. Parce que l'église de justice est même l'église que le monde cherche en ce moment. Que le monde cherche en ce moment. Nous recevons tellement de courriels de gens qui, en ce moment, de vous, qui envoyé le lien à vos amis, membres de vos familles, membres de vos collègues, travail, école et un peu partout, et des gens qui vous répondent. J'ai reçu un courriel cette semaine qui, avec sa permission, je vais lire d'une jeune enseignante de l'Église qui dit: cher Pasteur Claude, merci. Depuis le début de Nouvelle Vie chez vous, je partage vos messages avec plein de personnes, ma famille et mon entourage. Les réponses sont malades. En voici quelques extraits. C'est ça ton affaire, parce qu'elle parlait de son église depuis longtemps, la personne ne venait jamais. C'est ça ton affaire, c'est bien hot. Je ne savais pas qu'on pouvait parler de la Bible comme ça. De sa grand-mère, de sa grand-maman, mon doux Seigneur. Si nos curés nous avaient parlé de Jésus comme ça, les églises seraient encore pleines. C'est ce que la dame dit. Il me fait brailler, c'est pas mêlant. Je prie avec ton pasteur à toutes les semaines. J'avais jamais prié depuis tellement longtemps. D'une collègue enseignante. Wow! C'est hyper intéressant et c'est tellement touchant. Peux-tu m'en envoyer d'autres? Est-ce que je peux m'abonner? C'est gratuit. On est là chaque semaine, madame. C'est dernière. Elle termine son courriel en disant: c'est votre message du 13 septembre sur la justice qui a battu tous les records. Je l'ai envoyé à ma directrice qui se disait anti-religieuse, anti-église, anti-preacher américain. Et elle m'a écrit: j'ai beaucoup pleuré en écoutant ton pasteur. C'est la vision de Jésus qui aime et qui aide les gens que j'avais quand j'étais enfant. Et qui a été détruite par un prêtre pédophile. Je crois que nous sommes beaucoup à avoir recherché ce message toute notre vie. Toutes les œuvres humanitaires que supporte votre Église me bouleversent. C'est tellement ça, c'est tellement vrai, et c'est tellement ça la vraie foi. Je crois que nous avons... Pourquoi est-ce que je crois à l'Église selon son cœur? Parce que l'Église, selon son cœur, est la seule à laquelle Dieu prend plaisir. Et elle nous appelle, parce que c'est une Église qui nous appelle à des implications bien tangibles qui vont ouvrir le ciel sur nous, nous donner un impact insoupçonné. L'appel et les implications de l'Église. On continue dans notre texte original, dans Ésaïe 58, les versets 6 à 10. Dieu a dit, j'ai mis clair là, ce à quoi je ne prends pas plaisir. Les religiosités sans implication envers ceux qui souffrent à l'extérieur de manière tangible, la recherche de ma gloire sans générosité hebdomadaire, non, je n'y prends pas plaisir. Mais voici l'appel, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Tout, c'est tellement pratique, tellement praticable, tellement faisable, accessible pour nous aujourd'hui. Couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton prochain, de ton semblable. Si tu donnes ta propre subsistance, de tes propres ressources, du fruit du travail de ton main, de tes sous, de ton travail, de ton temps, de ton bénévolat, de tes talents, à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, nous aidons physiquement et nous sommes préoccupés par l'âme, par la dimension aussi émotionnelle, spirituelle de l'être humain, alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Vous avez un portrait ici de notre engagement. Voici le jeûne à laquelle je prends plaisir. On a mis clair pour toi, homme, ce que tu devais pratiquer. C'est l'Église à laquelle nous croyons. C'est l'Église selon son cœur. Une Église où chaque chrétien est impliqué et engagé dans cette œuvre. C'est limpide, c'est clair, c'est détaillé. On t'a fait connaître, homme, ce que tu es appelé à faire. Nos ordres de mission sont pratiques. Ils sont clairs, ils sont atteignables. Vous savez, à tous les ans,
À tous les ans, au mois de mars, au début du mois de mars, nous lançons tous nos projets humanitaires lorsque nous sommes en présentiel ici, avec les plus de 5000 personnes de Nouvelle Vie sur nos différents sites. Tout le monde ensemble, pendant 2 ou 3 semaines, on présente des projets humanitaires, communautaires, dans notre ville, dans notre nation, dans les villages autochtones, dans l'œuvre internationale missionnaire. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons bâtir, et les gens d'église s'engagent. Vous vous engagez à chaque année et avec un engagement financier. Cette année, à partir de du premier dimanche du mois de mars, nous sommes venus en ligne. C'est une année différente, mais c'est une année où les besoins, non seulement sont les mêmes, mais les besoins sont accrus. Et à chaque année, les milliers de personnes de Nouvelle Vie, chaque personne à sa capacité s'engage à un montant qui est pour soutenir cette œuvre humanitaire, pour faire partie, pour répondre à l'appel, pour nous impliquer dans ce combat de justice. Et à chaque année, les gens me demandent encore cette année, on dit, Pasteur Claude, c'est différent, c'est quoi l'objectif cette année à 5000 personnes ensemble qui donnent un don à chaque semaine? C'est quoi l'objectif? Et notre objectif est le même cette année que dans les années passées. Ce n'est pas un chiffre, c'est un pourcentage. Notre objectif, c'est 100%. C'est 100% d'entre vous. Chacun a sa capacité, chacun a ses moyens. Notre objectif, ce n'est pas une seule famille qui est seulement consommatrice, qui est seulement touriste, passager pour prendre. Non, chaque famille qui dit « Non, moi j'embarque, j'entends l'appel et je veux m'impliquer à détacher les chaînes, libérer les liens de méchanceté, de captivité, de dépendance à travers nos soins pastoraux, à travers les services de chaque département, vers les liens des gens, qu'ils soient des liens psychologiques, qu'ils soient des liens ou des jougs économiques ou sociaux, à travers toute une équipe de chaque ministère, chaque département qui est là au service pour essayer d'aider, thérapie, les groupes Nouvelle Vie, on a des groupes pour ceux qui ont traversé un deuil, des groupes pour ceux qui veulent vaincre leur dépendance, travailler à libérer ceux qui sont opprimés et victimes de toute espèce de joug, partager notre pain avec celui qui a faim, couvrir celui qui est nu, des milliers, 15 000 personnes par mois qui reçoivent à travers notre soutien à l'organisme Action Nouvelle Vie et sa banque alimentaire. Fait entrer dans ta maison les malheureux, ceux qui sont sans défense, ceux qui sont sans asile. De bâtir des maisons en Haïti, à aider à bâtir dans les camps de réfugiés un asile, un endroit de sécurité comme on le fait cette année. À Beyrouth, où qu'on le fait en ce moment, à travers notre soutien en Haïti, notre soutien au Bangladesh, aux Indes. Si tu vois un homme nu, tu vas le couvrir, tu vas lui donner de ta propre substance. Tu ne te détourneras pas de ton semblable. Il y a 3 dynamiques à la pensée de justice. Comment est-ce qu'on fait ça, la justice, bibliquement? Il y a une dynamique d'équité, de valorisation. Si on regarde ensemble une dynamique d'équité, si on regarde la prochaine diapo, une dynamique d'équité de valorisation. La Bible donne la définition et l'application la plus complète de la justice. Et la première pensée, c'est que la justice va aller faire la justice en reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque être humain. Une équité de valorisation de chaque être humain, quel que soit l'endroit où il est, le quartier où il est, qu'il soit dans un quartier, dans la ville de Longueuil, ou qu'il soit sur un territoire autochtone, ou qu'il soit à Cité Soleil en Haïti, ou qu'il soit dans un camp de réfugiés en ce moment au Liban. Chaque être humain est d'égale valeur. Il y a un auteur extraordinaire, Michael Sandel. Si on regarde la prochaine diapo, Michael Sandel est un auteur, je vais vous donner un petit peu sa description, parce que c'est un professeur de philosophie et de sciences politiques, auteur d'un ouvrage approfondi intitulé « La justice que nous devons faire », ou en anglais « Justice, what's the right thing to do ». La justice, que devons-nous faire? Il est professeur de cours du cours théorie gouvernementale à la faculté de droit de Harvard. Dans son ouvrage, il explique en détail toutes les théories, positions et philosophies de justice de l'Antiquité à aller jusqu'à notre monde moderne, la vision de la droite, la vision de la gauche dans l'histoire, dans la justice, dans notre monde actuel. Et il en vient à l'hallucinante conclusion dans son ouvrage. Vous allez voir sur Internet, il y a plein d'ouvrages, il y a des conférences de lui partout sur YouTube, que l'enseignement de la Bible sur la justice et l'enseignement le plus complet, le plus inclusif, le plus actuel et le plus
applicable parce qu'il inclut cette dimension de faire la justice. C'est la valeur intrinsèque de chaque être humain, une dynamique d'équité et de valorisation. Il y a des textes comme le Lévitique, chapitre 24 et le verset 22, où il dira, vous aurez les mêmes lois, les mêmes accès, les mêmes privilèges pour le natif ou l'immigrant, car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'était complètement révolutionnaire dans des philosophies où le peuple de Dieu, où les nations étaient nation contre nation, où tout était clan, tout était ma race, tout était ma famille. Dis non, tu vas le considérer, tu vas avoir les mêmes droits, la même équité pour celui qui est natif du pays que celui qui arrive. C'était révolutionnaire, c'était complètement différent des philosophies de l'époque. C'est pour ça qu'Ésaïe 58 dit, tu vas partager ton pain, tu vas ouvrir ta maison, tu vas pourvoir vêtements, logements, nourriture pour le malheureux sans asile. Le malheureux sans asile, l'expression traduite ainsi en français, c'était littéralement le réfugié. C'était l'immigrant, c'était le réfugié. Et là, il dira, ne te détourne pas de ton semblable. Et dans les textes originaux, c'est pour ça que même la version anglaise a traduit ainsi, il dit, ne te détourne pas de ta chair et de ton sang. La pensée de Dieu, c'est que le croyant qui est investi de cette mission de justice veut traiter également. Je veux traiter les personnes les plus loin de moi, l'étranger, le réfugié, la personne culturellement, religieusement ou autre, le plus loin de moi, comme ma propre famille, comme si elle était de ma famille. Dans une société antique tribale où le clan, la tribu, la race et la lignée faisaient foi de tout, Dieu a l'audace de dire, tu vas traiter l'étranger comme s'il était de ta famille. C'est la première dimension de la justice biblique, l'ampleur de la justice biblique. C'est la valeur, l'accès, l'opportunité égale à tous. C'est pour ça que nous bâtissons des écoles, que les enfants aient le même accès, que nous avons des journées, que nous soutenons retour à l'école ici, à Longueuil, par l'organisme Action Nouvelle Vie. C'est pourquoi nous soutenons le bras jeunesse de Action Nouvelle Vie, le 21-59, pour donner à des jeunes qui n'ont pas eu d'opportunité égale, n'ont pas eu d'éducation égale, n'ont pas eu d'accès égal, n'ont pas eu d'encadrement égal, l'opportunité égale. C'est pour ça que la Banque alimentaire maintenant d'Action Nouvelle Vie, que nous soutenons massivement, dessert 15 000 personnes. C'est pour ça qu'il y a une boutique, le support, avec des milliers et des milliers de vêtements, parce que chaque enfant, chaque personne, chaque famille a droit à cette équité de valorisation. Et la Bible va un pas plus loin. La vision de justice de la Bible, c'est une dynamique d'équité et de valorisation, mais plus que ça, c'est une implication ou une dynamique d'engagement envers les plus vulnérables. Dieu dit non seulement vous allez consacrer votre vie, chacun avec sa portion, avec sa capacité, à créer l'égalité, à traiter les gens également, mais plus que ça, les plus vulnérables vont avoir droit à encore plus de votre attention. Il y a une dynamique d'engagement supplémentaire, plus significatif, plus intentionnel envers les personnes qui sont les plus vulnérables. Le Proverbe 31 et le verset 18 et 9, « Ouvre la bouche pour ceux qui sont sans voix. Parle pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche pour la justice. Défends le malheureux, les plus défavorisés. Donne de ton pain, de tes ressources. Lorsque tu vois ton semblable, ne te détourne pas de lui. » C'est pour ça que du Bangladesh au 21-59, le bras jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons, nous sommes appelés à être la voix pour ceux qui sont sans voix, de défendre ceux qui sont sans défendre. Lorsque vous soutenez une Nouvelle Vie cette année, vous soutenez la défense contre le trafic humain au Bangladesh, aux Indes, en Haïti, et vous soutenez à travers le 21-59, à travers le bras jeunesse de Action Nouvelle Vie, des travailleuses sociales qui, à chaque semaine, sont à la défense de la jeune fille contre son proxénète, qui sont à la défense de celui qui a été sans défense, une voix pour celui qui n'a pas de voix. Et c'est un engagement, une dynamique qui s'exprime selon sa voix et selon sa volonté. La troisième partie, une dynamique qui s'exprime selon, par notre générosité, selon sa voix et sa volonté. Ça s'exprime par les mots « partage ton pain ». Si tu donnes, si tu partages, si tu rassasies. J'aime tellement cette vision que Dieu a de nous. Voici comment Dieu veut que nous soyons, voici la vision, voici comment Dieu voudrait que son peuple soit vu.
dans votre village, dans votre ville, dans votre famille, dans ensemble, dans notre nation du Québec et dans les nations. Dans Job, chapitre 29, Job dit ceci. « L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. » Les gens étaient heureux de me voir arriver, étaient heureux de m'entendre. Pourquoi? Parce que je sauvais le pauvre qui implorait du secours. L'orphelin qui manquait d'appui. Les remerciements du malheureux venaient sur moi. Les malheureux disaient, « Seigneur, bénis cet homme-là, il a été tellement bon envers nous. » Je me revêtais de la justice. Je lui servais de vêtements. J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injustice. J'arrachais de ses dents la poix. C'est une affaire de combat, ce combat-là de Dieu pour renverser l'injustice, pour donner justice et devient ton combat. Il comptait sur moi comme de la pluie. Je ne fais pas un événement humanitaire une fois par année pour retourner à nos trucs, j'ai un petit moment d'émotion. Non, ils peuvent compter sur moi toute l'année. Ils comptaient sur moi comme la pluie. Ils ouvraient leur bouche comme une pluie du printemps. Ce n'est pas seulement des choses physiques, il y a tout un soutien. Je leur souriais quand ils perdaient courage. J'étais comme un consolateur auprès des affligés. Au chapitre 31, il dit au verset 16 de Job, « Si j'avais refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'avais fait languir les yeux de la veuve, si j'avais mangé mon propre pain seul au détriment de l'orphelin, sans lui donner sa part, si j'avais vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent ne pas être couvert avec mes couvertures, si l'étranger passait la nuit dehors parce que je ne lui ai pas ouvert ma porte, si j'avais été indifférent au malheur de mon ennemi, j'aurais alors renié le Seigneur mon Dieu. J'aurais alors renié même le Seigneur mon Dieu. » C'est l'aveuglement et l'avertissement de justice qui nous appelle à une implication de justice. Et je termine avec ceci. Ésaïe dit, si tu le fais, si vous entrez dans cette dynamique, il y a plus de 300 versets qui appuient cette notion biblique, que si tu entres dans cette dynamique de générosité, là, tu vas avoir accès à un impact insoupçonné par la justice. Voici le jeûne à lequel je prends plaisir et voici ce qui va t'arriver si tu entres dans cette dynamique. Alors la lumière poindra comme l'aurore. Alors ta guérison j'aimera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras. Remarquez, depuis le début, ils disent, on crie, on n'a aucune réponse. Non, non. Tu entres dans la justice, dans la générosité, le cœur de Dieu, alors tu appelleras. Alors l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. On lit la suite. Si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a faim, tu rassasies l'âme indigente, les besoins physiques, les besoins spirituels. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. La suite. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dernière portion. Les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Tu vas être connu, tu deviens celui qui rebâtit, qui contribue à rebâtir des vies, à rebâtir des familles, à rebâtir, à relever des fondements. On t'appellera. Voici comment l'Église doit être perçue. Voici comment l'Église doit être perçue dans cette société, cette époque moderne. Sommes-nous un service essentiel? On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable, celui qui rend, littéralement, va rendre le pays habitable. J'aimerais vous dire, c'est le témoignage de Nouvelle Vie depuis nos 27 ans. La provision de Dieu, la multiplication de Dieu, l'impact de Dieu, le renouvellement de Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, on appelle à toi. Lui dit, me voici. Tu es en train de pratiquer la justice, me voici. C'est ce cas, c'est la raison, c'est le secret, c'est la clé des 27 ans de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil qui a fait de nous l'Église avec la croissance la plus continuelle, la plus grande croissance sur 27 ans à travers tout le Québec, non seulement le Québec, mais à travers le Canada. Arrosé et renouvelé et protégé et béni parce que tu rends le pays habitable. C'est l'Église selon le cœur de Dieu à partir de Ésaïe aller jusqu'à nous aujourd'hui. Je vais terminer en regardant avec vous juste un instant, en vous donnant un témoignage qui m'avait beaucoup touché. Il y a plusieurs années, je me suis, dans un des voyages que je suis allé faire une conférence, je me suis retrouvé
à aller être dans, dans la, au Népal, dans la ville de Katmandou, au Népal, pour aller faire des conférences dans un des pays. Mon ami au PowerPoint va aller rejoindre jusqu'à la photo de, du Népal, voilà. Et lorsque j'étais au Népal, à Katmandou, au Népal, il y a quelque chose qui m'a... je suis allé visiter un temple bouddhiste. Et il y avait un guide qui était là qui nous expliquait un petit peu tout ce qui prenait place et puis la philosophie bouddhiste et tout ce qui vient avec. Et j'étais frappé par le fait à quel point que notre générosité, notre engagement, notre passion, notre compassion va distinguer le monde chrétien, va distinguer la pensée chrétienne, va distinguer le peuple de Dieu de toute autre religion dans le monde dans lequel nous vivons. Pendant qu'on était là, le guide nous expliquait, dans un des pays les plus pauvres du monde, que certains des tenants de la philosophie bouddhiste disaient, par exemple, je vous lis un extrait de sa présentation, « Le Bouddha que vous voyez, les jambes et les bras croisés, il ne se lèvera pour personne. » C'est ce que ça symbolise. « Ses yeux fermés au monde qui l'entoure, un vague sourire de détachement sur ses lèvres, symbole de la non-implication absolue envers la souffrance, d'une indifférence totale face à l'agonie humaine, est une des quatre vérités fondamentales du bouddhisme. Ils appellent ça la vérité, le fondement de la cessation de la souffrance par le chemin du détachement absolu perpétuel. » J'ai été frappé alors que j'étais là de contraster le Bouddha aux yeux fermés, qui ne veut pas voir ce qu'il y a autour, aux jambes croisées parce qu'il ne se lèvera pour personne, aux bras croisés, et avec un vague détachement et un sourire de détaché de tout ce qu'il y a autour, avec la passion de Christ. Avec Jésus, lui, qui a ouvert ses bras, a ouvert ses yeux à la souffrance humaine, est venu donner sa vie et s'est fait pauvre avec les plus pauvres, a lui-même été victime d'injustice la plus abjecte et meurt et donne sa vie, ouvre ses bras, ouvre ses yeux. Et la pensée chrétienne, la pensée de justice, l'Église selon son cœur, nous croyons non pas à la cessation de la souffrance par le détachement et l'indifférence absolue. Non, nous croyons à la cessation de la souffrance, une personne à la fois, par l'amour, la compassion et l'engagement de générosité et de justice de nos bras ouverts. Lorsque j'étais à Katmandou, j'ai visité une maison que les églises avaient mise sur pied où il y a plusieurs étages pour ces femmes, ces mamies, ces femmes qui sont recueillies et qui sont soignées, qui sont littéralement une famille. Et j'ai été interloqué, j'ai été en même temps très ému de réaliser que ces femmes étaient auparavant, dans leur jeune, ces femmes sont âgées maintenant, mais dans leur jeune âge, étaient des femmes d'hommes riches du coin qui avaient sur des années persécuté férocement l'Église chrétienne. Il persécutait les églises, persécutait les chrétiens, dévastait leurs lieux de culte, leurs lieux de rencontre, faisait perdre les emplois aux chrétiens. Il y avait des chrétiens qui étaient emprisonnés. Et ces femmes qui étaient le plus haut gratin de la société écrasaient sous leurs pieds pendant toutes ces années l'Église chrétienne, les croyants, les familles chrétiennes. Et jusqu'à ce que, lorsque leur mari mourait, qu'elles devenaient veuves, perdaient tous leurs droits. Il y a changement de direction dans les villages et elle était maintenant une veuve sans droit. Et celle qui avait été la persécutrice qui écrasait devient une femme vulnérable à la rue. Et ce sont les chrétiens qui les accueillent. Ce sont les chrétiens qui les prennent comme des mères. Ce sont les chrétiens qui les soignent. Ce sont les chrétiens qui, à travers les années où elles sont les plus vulnérables, sont là avec les bras ouverts. Nous ne sommes pas l'Église chrétienne, les bras croisés, les jambes croisées, les yeux fermés, un sourire de détachement sur notre visage, essayant de combler la souffrance ou de l'ignorer, de la nier, avec une recherche absolue d'un détachement envers toute cette souffrance qui est autour. Ésaïe dit, « Lorsque tu vois, ne te détourne pas. Lorsque tu donnes, lorsque tu partages ton pain, tes ressources, ton cœur, ta passion envers ceux qui souffrent, tu verras ma main t'ouvrir le ciel. Tu diras, Seigneur, et je dirai, me voici. Je te guérirai, je te protégerai, je te conduirai, je te dirigerai. » J'aimerais vous dire que je crois, pourquoi croire à l'Église selon son cœur? Parce qu'elle est là en nous. Elle vit par nous aujourd'hui. Elle est encore la réponse à ce que ce monde recherche.
Elle est encore ce que ce monde recherche désespérément. Et je vous invite, je vous appelle, avec moi, avec nous, avec des milliers de nouvelles vies partout en francophonie, soyons l'Église selon son cœur aujourd'hui, l'Église de sa passion. Et alors que notre équipe d'adoration va chanter la passion de notre Sauveur, aujourd'hui, Seigneur, viens envahir nos cœurs de ta passion. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, nous avons entendu l'avertissement. Nous ne sommes pas aveugles. Je t'ai fait connaître, ô homme, je t'ai fait connaître aux chrétiens en 2020, pendant la pandémie, ce que je désire, ce que désire ton Dieu, ce qui est bien, ce que désire ton Dieu, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Avec un cœur humble, à l'écoute de ton cœur à toi, au diapason de ce que toi tu veux exprimer à travers nous. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous donnerons de notre pain, nous ouvrirons notre maison, nous sommes engagés à la valeur intrinsèque de chaque être humain. Nous sommes engagés même à plus, pas seulement donner un traitement égal, mais nous sommes engagés passionnément engagés à défendre ceux qui sont sans défendre, à être la voix de ceux qui sont sans voix, à donner de nos ressources à ceux qui sont sans ressources, sans défense. Et alors, nous savons que nous serons ton peuple, le peuple de ton cœur, le peuple que tu béniras. Et nous déclarons donc cette année de pandémie une année où, comme jamais, nous allons être l'expression de l'Église selon ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alors que l'équipe d'adoration chante la passion de notre Sauveur, qu'on puisse se prendre un instant pour s'abandonner à sa passion, non seulement recevoir l'instruction de sa passion, mais devenir ensemble l'incarnation de sa passion. Une Église selon son cœur, une Église de justice. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Avoir suivi. Si vous avez été touché durant ce message et que vous voulez discuter avec un pasteur, vous pouvez aller sur l'adresse life.nouvellevie.com où une équipe vous attend. Si vous désirez partager des témoignages avec nous, vous pouvez nous écrire au info@nouvellevie.com. Restez connectés toute la semaine sur nos réseaux sociaux pour entendre les différentes programmations que nous avons conçues juste pour vous. Et ça commence demain matin avec Pasteur Claude pour le Café Matinal. Bonne semaine!